Je suis Anne-Laure, j'ai 33 ans et je suis manager comptable chez Leroy Merlin France. Pourquoi Leroy Merlin? En fait, la première raison, c'était pour les valeurs humaines. Et en fait, dès les premiers entretiens, ça transparaît tout de suite avec des échanges simples, authentiques et du coup, ça donne confiance. Et la deuxième raison, c'est que j'avais des amis qui étaient déjà chez Leroy Merlin et en fait, ils m'ont raconté leur parcours, les opportunités de développement qu'ils avaient. Et je me suis dit, moi, j'ai eu trop envie de tenter aussi. Alors, mon parcours, moi, j'ai un parcours finance et compta. Donc, j'ai fait une licence de finance et un master comptabilité contrôle audit. Et ensuite, j'ai fait 8 ans de cabinet de conseil et d'audit, assez logiquement après ce parcours académique. Et puis, je suis arrivée il y a 3 ans chez Leroy Merlin. Donc, d'abord en tant que manager comptable du pôle fournisseur. Et ensuite, manager comptable du pôle clôture et reporting. Ma mission, je dirais que l'axe principal, c'est l'accompagnement des collaborateurs dans la transformation de nos métiers et dans la transformation aussi de nos business models. En fait, mon job, c'est de garantir leur montée en compétences pour qu'ils puissent assurer la fiabilité et la qualité de la donnée comptable. C'est aussi de leur donner une bonne vision des activités, du business. C'est leur laisser un terrain d'autonomie, un périmètre dans lequel ils peuvent prendre des initiatives et du coup se développer, progresser. Et c'est également de choisir aussi les bons collaborateurs, les bons profils pour compléter l'équipe. Le deuxième aspect de ma mission, c'est l'innovation pour garantir l'efficience en fait, de nos process et la digitalisation de nos process, comment on met en place la compta de demain. Ce que j'aime dans mes missions, c'est qu'il n'y a pas vraiment de journée type, de mission type. En fait, on participe à tous les projets de la boîte pour leur mise en place, pour garantir l'efficience des process. Et puis, du coup, on a une diversité d'interlocuteurs avec le besoin de bien comprendre leurs besoins business, leurs besoins métiers, pour bien répondre à leur lecture financière. Alors, quand je parle de diversité d'interlocuteurs, en fait, ça peut effectivement être des gens au service interne, mais également des gens en magasin qui viennent du commerce, de la perf, de la logistique, également des entrepôts, ça peut être très très large. Pour convaincre un candidat de venir nous rejoindre, je lui dirais de vraiment pas hésiter une seule seconde, parce qu'en fait, ici, tout est possible, tant en termes de parcours, de développement, mais tout ça en plus avec un collectif ultra soudé.